Bonjour à tous. Donc, dans les vidéos précédentes, on a parlé sur l'ordinateur, la définition, les composants de l'ordinateur, le système d'exploitation ou l'année d'Amtishril. On a aussi vu un peu quelques informations et la programmation, les langages de programmation, l'HTML, CSS. Fahad, la partie qui est la dernière partie, on va passer un peu aux choses sérieuses, mais amusantes. On va parler d'un logiciel qui est... je ne vais pas dire maintenant, je vous laisse découvrir parce que c'est une bonne chose. Alors, le Scratch. Je ne sais pas où le programme qui s'appelle Scratch. On va voir ça veut dire quoi ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que Scratch? Scratch, c'est l'outil qui permet de créer rapidement des jeux ou des histoires animées et de les partager sur le web. Donc, هذا واحد البرنامج اللي كيمكننا اننا بواحد السرعه وبواحد السهوله نقادوا سواء العاب ولا نديروا رسوم متحركه ونبارطاجيوهم مع دوتغ بيرسون في لا بلاتفورم. دونك هذا لو لوجيسييل اي غراتوي. دونك فابور ممكن اي واحد سواء يتقيد ويخدم فيه في لا بلاتفورم سور لو سيت ويب ديالو ولا يتيليشارجي لابليكاسيون ويخدم اور لين سور لو بيرو. Il est conçu pour initier les jeunes à partir de 7 ans à des concepts fondamentaux en mathématiques et en informatique. Donc, les jeunes, à partir de 7 ans, ils apprennent les mathématiques, les réalités, les barmenjans. Donc, il utilise en fait plus de 40 langues ou qui utilise plus de 150 pays. Donc, qu'est-ce qu'on est dans là à quel point les personnes qui s'aiment. Il est aussi, faut garder à l'esprit, donc c'est un outil d'initiation à la programmation. Donc, les jeunes qui ont la programmation au Riyadiyat. Le lien qui est là, c'est le site où vous pouvez accéder à l'application. Ou la moumkin, le site aussi, on peut télécharger l'application. Donc, le jeu est créé sous la forme d'une pièce théâtrale. Là, on voit un petit peu le principe en général. Rendez-vous bien sûr l'application après sur le logiciel. Donc, le jeu, il est créé sous la forme d'une pièce théâtrale où l'on choisit d'abord son décor, qui est l'arrière-plan, ses personnages, donc les lutins, ou ça s'appelle les sprites, qu'on va voir après. Et puis, pour chaque personnage, on définit un scénario, qui est son texte et ses gestes, qu'on appelle aussi le script. Donc, le tout s'exécute dans une zone appelée la scène. Pour voir ça plus en détail, on va voir sur cette image. Donc, le jeu ou le dessin animé qu'on va créer, ça se base sur quoi? Ça se base sur l'arrière-plan, qui se met à la scène. L'arrière-plan, c'est nous qui le choisissons, bien sûr. C'est le décor qu'on choisit. Il y a peut-être un exemple le tunnel, la balle où elle doit éviter des obstacles ou quand elle arrive à la fin du tunnel. Elle a gagné ou le joueur il gagne. Donc là la balle bien sûr ou le personnage d'elle. On peut changer le type de personnage. On peut choisir des humains, on peut choisir des animaux, on peut choisir des instruments de musique. Rajoutez l'application Blick et on a un grand choix ou là un large éventail de choix. Donc ça c'est le personnage, ça c'est la scène, l'arrière-plan qu'on peut choisir aussi. Ou là le bloc Blick et on l'image. Ou le scénario ou le script. Donc le scénario ou le script c'est quoi justement? هو واحد المجموعه ديال التعليمات حنا اللي كنختاروهم وحنا اللي كنعطيوهم لوجيسييل ملي لو لوجيسييل كيستقبل هاد التعليمات اللي كنعطيوهم اللي كنعطيو ليه هو اللي كيعطينا واحد لو ريزولتا فينال ديال لو جو كيما بغيناه ولا كيما بغينا اون جينيرال لا سين ايل سو باس. دونك مثلا هنا عندنا كونطون كليك اون في سا il va de A à Z, on s'oriente, on répète. Donc, il y a une série de télémètres qui sont dans le logiciel pour qu'il y ait un script. Donc, pour créer un script, on doit simplement assembler les blocs comme on pourrait le faire avec des briques de Lego ou des pièces de puzzle. Donc, imaginez, il a vu le schéma ou la taille comme ça, ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est comme un peu les Lego. Donc, des jeux de Lego, on imbrique ou un puzzle. Donc, c'est à peu près la même chose. On imbrique juste la liste des consignes que nous avons dans le logiciel pour exécuter.
Donc là, on va commencer une petite application sur le logiciel et voir en gros l'interface. Donc, avant même dire une application, on va essayer de comprendre le logiciel, on dira la vue générale pour comprendre comment ça marche. Donc là, on a ouvert l'application d'Yana ou là le programme Scratch. Ce qu'on voit en premier, l'interface. On va expliquer qu'est-ce qu'on peut trouver ou là, nous allons faire de l'interface. La première chose qu'on va expliquer, c'est la partie Adi. Donc Adi, c'est ce qu'on appelle la scène. C'est ici que tout se passe. Donc là, la scène, quand on peut louer à l'arrière-plan, quand on peut faire le nombre de personnages Librina ou quand on dit l'animation Librina. Le petit chat qui au milieu, le personnage d'Yenna. Bon, c'est un exemple de personnage. On peut le changer, donc on va voir comment le faire. Donc, la partie en bas, c'est la commande d'Yenna la scène, donc d'Yenna l'arrière-plan ou d'Yenna le personnage. Là, si on veut par exemple changer le personnage, il suffit d'aller tout en bas ici, faire la partie, qui choisir un sprite ou là d'autres options. Donc, on peut choisir le personnage qu'on veut. Soit on peut le peindre aussi. On peut dire la surprise. La surprise, Kajblina, un personnage aléatoire. Donc, on va voir ça après. Ou là, un personnage de l'ordinateur. Donc, il imagine si personnage l'ordinateur, enfin, le jeu ou là, donc on peut l'apporter directement. Donc, je trouve le choix des personnages qu'on a. Donc, là, quand je vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnages disponibles, soit des animaux, des gens, des fantaisies ou là, des créatures, on a des gens qui dansent, les instruments de musique, du sport ou là, des gens qui font du sport, la nourriture, les vêtements, les lettres. Donc, vraiment, le choix large pour faire tout ce qu'on veut sur le logiciel. Donc, par exemple, on va choisir un autre personnage. Voilà, donc ça s'affiche ici. Nous pouvons aussi donc nhérkou le personnage juste en sélectionnant le personnage, on maintient la sélection, on peut le poser. Si on veut supprimer le personnage, kayn la petite icône fera une petite corbeille. Donc il suffit de cliquer sur cette corbeille pour supprimer le personnage Librina. Donc maintenant on supprime le premier chat qui est apparu et hop, c'est parti. Ça, c'était les personnages. Donc là, on voit l'arrière-plan. On voit l'arrière-plan, le qui est. Donc, on choisit quelque chose. Et là, pour choisir l'arrière-plan, il y a la partie qui est de l'arrière-plan. Donc, il y a une scène où on a, donc, qui m'a donné le personnage, on va faire la même chose de l'arrière-plan. On choisit, donc, on clique ici. On a aussi ici la liste de tous les arrière-plans disponibles. Donc, on choisit soit par catégorie, soit on va juste à tous les arrière-plans et on choisit un. Donc, on va faire tout et on va choisir un au hasard. Tiens, on va faire un peu celui-là. Voilà, donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. On a notre personnage, on a notre arrière-plan qui est là. On va se demander après, ça sert à quoi? Head la partie. Donc d'ici à ici, ça sert à quoi? Head la partie, c'est ici qu'on va faire notre code, c'est ici qu'on va faire notre programmation pour dire logiciel, qui va radi soit le personnage dit non, soit il dit une animation. Donc head les quand je vois les couleurs, Scratch il est fait les gens, les jeunes, ils peuvent coder facilement. Donc, tu aimes les couleurs différentes. Et tout le Scratch, qu'est-ce qu'on a la couleur différente. Les mouvements ou les harakats, quand cliquer là, le rang qui est bleu. Donc, il y a tous les mouvements qui peuvent Scratch. Et appliquer Humlina à le personnage d'Yelna. Donc, maintenant, qu'il a avancé de 10 pas, il tire, ben, je rate les pas, et maintenant, tourner, aller à une position. Donc, il y a les possibilités qu'on peut appliquer. Maintenant, le mauve, il est spécialisé les apparences. Donc, on a qu'on peut faire les changements de l'apparence d'Yel le personnage, et le son, et les événements, et les contrôles. Donc, on va voir plus en détail, Inch'Allah, de l'application. Ou là, le mini-jeu. Voilà, après, Edna, les costumes, donc Edna, on peut changer manuellement soit l'apparence, soit on a la possibilité de voir tous les mouvements disponibles qui sont appliqués à le personnage. Edna, les sons, donc Edna, il affiche comment, qui va nous dire comment les sons. Brina, la liste des sons, Edna,
Ouais, aussi, il y a les animaux, il y a les effets, il y a l'espace, le sport, la voix, donc il y a le catalogue des leçons qui est très large. Donc dernièrement, on a droit à les langues, il est disponible avec 40 langues à le scratch. Donc il y a qu'un chouchou, il y a des langues incluent l'arabe ou l'arabien. Donc voilà, on peut choisir si quelqu'un préfère utiliser en arabe, il n'a qu'à choisir donc la langue arabe ou il va automatiquement et rapidement se convertir plutôt en arabe. Donc on revient en français. Voilà, il y a aussi des tutoriels, donc je vais clôturer avec ça. Des tutoriels, ça aide à donc, comment on peut utiliser le Scratch. Donc il y a soit la prise en main, donc si c'est la première fois qu'on l'utilise, on peut suivre ce tutoriel. Il y a animé un nom, il y a plein d'autres tutoriels qui sont disponibles pour bien s'amuser sur le jeu. Donc on va s'arrêter ici pour cette session. Pour la prochaine session, on va voir quelques notions qui sont très importantes pour commencer à jouer ou à appliquer sur Scratch. Et finalement, on va clôturer avec un petit jeu ou une mini vidéo, un mini jeu pour apprendre à bien utiliser Scratch. Merci.